Bonjour à tous, on se retrouve. Bon, alors, je vous montre vite fait éventuellement si ça vous intéresse. Donc c'est marqué bien sûr en chinois. Donc X016, bon, ça ne veut pas vous dire grand-chose, mais... Donc le micro-cravate UHF, 560 MHz, donc portée à peu près 50 mètres. Bon, j'ai pas fait de test de portée. Si jamais ça vous intéresse éventuellement, dites-moi-le dans les commentaires, je ferai un test de portée. Alors, on va ouvrir. Alors, j'ai pris. Bon, alors, il y a les bonnettes. Là, alors, par contre, c'est la patte de lapin. Alors, je vais vous montrer la patte de lapin. Quand, voilà, c'est quand il y a du vent. Donc, j'ai mis ça. Après, c'est pas une obligation si vous êtes en intérieur, bien sûr. Donc, là, vous portez sur vous. Hein, il y a assez long de fil. Donc, L'émetteur. vous avez deux pinces, une ici et une ici, bien sûr. Voilà. Alors ça, vous branchez sur le smartphone. Alors c'est donc il faut le, bien sûr le câble qui va bien. Alors moi c'est type C. Hein. On peut faire Android ou iPhone type C. Alors c'est du, alors je sais plus, c'est DSLR je crois. Je suis pas sûr à 100%. Vous avez pour micro USB pour la charge ici. Attendez, on va zoomer un petit peu. Voilà, micro USB sur les deux, hein, bien sûr. Micro USB sur les deux. Alors, on va essayer de zoomer correctement. Pas toujours facile. Voilà, je vais vous montrer comme ça les deux en même temps. Voilà, donc et puis bien sûr off, on, marche, arrêt qui sont ici. Voilà, alors donc vous avez, alors j'ai pris le pack. Hein. Alors vous avez bien sûr pour charger les deux à la fois un jack, je dirais simple stéréo. Voilà, bon, j'ai pas essayé sur le smartphone, mais bon, c'est un autre disque que j'ai donc j'ai pris ça bien sûr. Pour pouvoir brancher ça correctement, ça fonctionne bien sûr directement, c'est nickel. Alors un conseil, vous allez voir la vidéo du test avec le micro d'origine et bien sûr le micro UHF sans fil, cravate. N'oubliez pas éventuellement d'être assez loin de votre smartphone ou alors de déconnecter le réseau, hein, le GSM, parce que vous allez noter qu'il y a quelques petites parasites à un moment. C'est dû bien sûr au réseau téléphonique. Voilà, au réseau GSM ou 4G ou 3G, mais donc un conseil, déconnectez-le si vous voulez, pas de problème. Et maintenant, allez, c'est parti pour le test en extérieur. En avant sur la vidéo, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça permettra de booster un peu ma chaîne. Parce que vraiment, je débute, c'est une chaîne secondaire qui n'a rien à voir avec la radiocommunication. Bien sûr, j'ai une chaîne principale, ça c'est une chaîne secondaire. Voilà, à très bientôt! Va chercher. On recommence. Bonjour à tous. Donc je fais un test de micro. Pour l'instant, je suis avec le smartphone, le micro du smartphone. Donc je suis à quelques mètres. On va dire à peu près à 3 mètres. Donc je m'éloigne. Alors vous dites comment vous m'entendez. Hein. Je m'éloigne. Voilà. Là, je suis peut-être à 7-8 mètres, 7 mètres. Donc je me rapproche un petit peu. J'espère que vous m'entendez de mieux en mieux. Voilà, là actuellement donc je suis à peu près à 1 mètre. Voilà, donc maintenant je vais passer avec un petit micro à vraiment pas cher, du micro low cost. Mettez un pouce éventuellement si ça vous plaît. On se retrouve avec le micro branché sur Le micro UHF, donc bien sûr sans fil hein, sur le smartphone. Donc bon, je m'éloigne toujours, je m'éloigne. Voilà, donc là je suis quand même à, ouais, à 7-8 mètres, la même distance que tout à l'heure. Donc éventuellement ce que vous pensez du son. Mais bien sûr, mettez éventuellement un pouce si cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien dans la description, c'est en dessous, allez voir, c'est moins de 20 euros. Profitez-en. Honnêtement, c'est du 560 MHz. Donc c'est peut-être, ça ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais voilà, c'est de l'UHF. Ça fonctionne et c'est le principal. Allez, je vous dis à très bientôt. Mettez un pouce.